Bonjour Alicia! Alicia! Les chaussures de la Reine des Neiges sont arrivées! Wouhou! Mais où est-ce qu'elle est? Ah, je vois que ça bouge! Il y a quelque chose qui. Ah! La v'là, la v'là! La petite Alicia et la Reine des Neiges! Aujourd'hui, pour faire quoi, Alicia? Des chaussures reines des neiges. Une super boîte de construction de chaussures de Reine des Neiges! Elles sont magnifiques, ces chaussures, hein? Moi, je vais faire celle-là, celle-là et celle-là. On va ouvrir la boîte et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans parce que je me demande comment il faut faire pour construire tout ça. Moi, je sais. Tu sais comment il faut faire? Oui. Alors on ouvre la boîte. Un papier. Alors un joli papier avec les modèles. C'est un papier pour nous apprendre Ça, à. là, il y a des colons. Des comment? Des trucs. Des talons. Talons, oui. Oui, ça c'est tout, ça c'est tous les. Talons, mettre sur les côtés, ici, ici, derrière, devant. Oui, ça c'est tous les plastiques pour construire la chaussure. Des petits cailloux comme ça. Ça c'est toutes les petites perles. Oui. Et tous Un les fil. diamants. Un fil aussi, oui, on a plein de choses là. Alors ici, on a tous les plastiques pour construire les chaussures, avec les semelles, les talons. Et ça, c'est pour le devant de la chaussure. Différentes couleurs, on peut les mixer ensemble. Là, on a toutes les petites perles pour faire la décoration de la chaussure. Et encore, on peut faire comme on veut. Pas pour faire comme ça. On peut faire comme on veut, on peut toujours changer. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça. Alicia, elle essaie de nous montrer, mais on ne voyait pas la photo. Là, il y a 8 sortes de chaussures et on peut choisir laquelle on peut faire. Comme je vous disais avant, on peut mixer les différents plastiques ensemble. Ici, il y a des petites formes comme ça. Des bleus, des blancs et des roses. Encore plein de petites pierres pour mettre sur les chaussures. Un carton comme ça. Alors, attends. Alors, ce carton-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petits. Ça se découpe là. Ça, c'est fait pour mettre où, Alicia? Sur ici. Sur le devant de la chaussure. Oui. Il y a des collants, Des voilà. autocollants encore? Oui. Ah, ben ça, c'est un autocollant pour coller sur la semelle, hein? Et les autres, c'est pour coller. Où on veut. Et les autres, c'est pour coller un petit peu partout sur la chaussure. Mais la semelle Reine des Neiges, elle est super jolie. Ça, c'est pour faire la Cette chaussure. chaussure. Celle-là, tu vas la faire, celle-là? Oui. Elle est belle, celle-là. Hein? Et la dernière, le plus important, c'est les. C'est les semelles. Ah oui, bah oui, moi je croyais que les semelles étaient ici. Non, 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 non. Ça, c'est les plastiques pour mettre autour. Et ça, c'est les semelles. Là, on met les talons. Là, il y a des petits trous pour mettre. Attends, je veux mettre ça sur mon pied ici. Bah ouais, à mon avis, c'est un petit peu petite pour toi, hein? Je vais voir ton pied sur la table. Alors? Oh, bah c'est un petit peu petit hein, pour tes pieds. Hein? Attends, Peut-être je pour le tas, ça ira. Alors, t'as été chercher le tas? Oh, bah à mon avis, pour le tas, elles sont aussi trop grandes. Hein? C'est qui ça? Qu'est-ce que tu veux te montrer encore? Ah, le petit chat! Ah, l'ours blanc. Alors lui, ça va. Oh, bah lui, ça devrait rentrer, hein? Oui. Et là, ce qui est bien aussi, Alicia, t'as vu? Une étagère. La boîte, elle fait partie de l'étagère. Non, non, il faut laisser dedans. Laisse dedans. Voilà, comme ça fait une jolie boîte où tu peux poser les chaussures deux une fois que chaussures. Ouais, deux chaussures une fois que c'est construit. Bien comment? On va commencer? Oui. Bah, je suis sûr, hein, les copains et les copines, je suis sûr que vous voulez voir comment que ça se passe. Les chaussures qu'Alicia va construire, vous nous direz en commentaire quelle chaussure vous trouvez la plus jolie. Alicia va faire trois chaussures. Papa aura le travail que j'ai pas envie de faire ça. Ah, moi je dois démonter toutes les petites pierres. J'ai tout compris. Ça, c'est pour mettre sur le fil, Oui, celle-là. voilà. Et celles-là, elles sont pour les mettre ici, dans les côtés, dans les trous, là. Alors Alicia, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Reine des neiges. La chaussure Reine des Neiges, et là tu es en train donc de détacher toutes les petites pierres qu'il faut pour décorer la chaussure. Alors ça c'est la semelle.
Moi, j'ai déjà collé l'autocollant sur la semelle parce que c'était quand même un petit peu dur pour le coller droit. Et maintenant, tu nous construis la chaussure, Alicia. Alors, on va construire celle-ci. Oui, mais normalement, c'est un jouet juste pour faire des talons. C'est des chaussures. Oui, c'est pas pour les mettre. Oui, bah oui, c'est un jeu de construction. C'est un jeu de construction. Donc là, tu as déjà mis le talon. C'est facile à mettre le talon ou c'est dur? C'est facile. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Ça. Ça, oui. Alors maintenant, on va mettre la lanière. Une opération un petit peu délicate. Parce que la lanière là, il faut la mettre à l'envers au départ. Ça va? Ça se passe bien, Alicia? Voilà, maintenant ça va être un petit peu plus dur. Ou peut-être ça va aller bien. Hop là! Accident. Je vais te le faire parce que ça, c'est un petit peu dur, Alicia. Voilà, les copains, les copines. J'ai mis la lanière là parce que c'était un petit peu dur quand même à mettre ces petits clips là ici. Regardez ma bouche. Oh, t'as la bouche verte? Ah ben voilà, là maintenant t'es en train de construire une chaussure fermée, hein. Il y a différentes chaussures, celle-ci qui est une chaussure ouverte et là une chaussure fermée. Alors ça se clipse bien, hein, c'est facile à mettre ça. Hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la décoration, hein. Ah oui, encore au-dessus. D'abord, après, on va faire ici la déco. Oui? Oui. Maintenant, tu n'as plus qu'à mettre encore des petites pierres à droite, à gauche, comme tu as envie. Non. On va laisser Alicia travailler, faire construire toutes les chaussures et on revient quand c'est fini. Oui. Voilà, tu as tout construit, Alicia? Oui. Trois jolies chaussures de Elsa. Que tu caches ou quoi? Oui. Bah, on a envie de voir. Oui, je vais vous montrer. La première, qu'est-ce que j'avais fait? C'est celle-là. Ça, c'était la première que tu avais fait, oui, avec le petit ruban. Hein. Bon, là, c'était facile à mettre, le petit ruban. Oui, regardez. Là, il y a une pierre précieuse. Une pierre précieuse bleue. Et là, il y a un rose bleu blanc. Et ici aussi. Ici, rose blanc. Et ici, un collant. Et ici, sur le talon. La deuxième, qu'est-ce que j'avais fait, c'est celle-là. Ben celle-là, c'est celle que moi, j'avais collé l'autocollant dessus. Hein. Oui. Elle est belle, celle-là aussi. Hein. Et là, oh, derrière, c'est joli. Des petits cœurs comme ça, blanc et bleu. Alors, celle-là, on a eu un petit peu de problème pour mettre la lanière. Hein. Oui. La lanière, là, c'était un petit peu compliqué. J'ai dû t'aider à la mettre. Oui. Et la dernière, c'est comme ça. Ah, ben celle-là, c'est une chaussure fermée, celle-là. Hein. Très joli. Alors il y a plein de choses, il y a plein de possibilités de faire. Ben, nous on n'a pas fait, ouais, on n'a pas utilisé la ficelle. La ficelle ça sert à faire ça, vous voyez. Nous on n'a pas fait ça, mais Alicia pourra très bien s'amuser une fois toute seule à faire ça ou à faire un autre modèle de chaussures. Dites-nous en commentaire laquelle vous avez aimé, la bleu clair, la bleu foncé ou la verte. Cette petite vidéo, elle est finie, Alicia? Oui. On vous fait des gros bisous? Oui. On vous dit au revoir? Oui. Et ciao tout le monde? Oui. Ciao.